Bonjour, aujourd'hui je vous présente la capsule pédagogique 7.6, c'est pour la mathématique 7e année. Aujourd'hui, on va voir les diagrammes en arbre. Avant de commencer, je vais vous parler des événements indépendants. L'explication, deux événements sont des événements indépendants si le résultat de l'un ne dépend pas du résultat de l'autre. Un exemple, si on lance deux pièces de monnaie, le résultat du premier lancé n'a aucun effet sur le deuxième. Ça fait, disons que j'ai 1,25 sous, j'en ai deux là, disons. Et mes résultats possibles pour mon premier 25 sous, ça peut être, je peux soit avoir face ou pile. Et mes résultats possibles pour ma deuxième pièce, ça peut être face ou pile. Alors, sont indépendants. Le premier ne dépend pas de l'autre. Le diagramme en arbre. Pour montrer les résultats possibles d'une expérience qui comporte deux événements indépendants, tu peux tracer un diagramme en arbre. Ça fait ici, ceci, ça représente ma première pièce de 25 sous. Et ceci, ça représente ma deuxième pièce de 25 sous. Et cette colonne ici, ça représente mes résultats possibles. Ça fait, disons, ma première pièce de monnaie, je peux soit avoir pile ou je peux avoir face. Et lorsque je lance la deuxième, je peux soit avoir pile ou face. Alors, je vais commencer à faire mon diagramme en arbre. Alors, une possibilité de résultat serait d'avoir pile-pile et l'autre possibilité, ça serait d'avoir pile-face. Et disons que si j'ai face sur mon lancé pour la première pièce, mes autres possibilités de réponse peuvent être face-pile ou face-face. Alors, lorsqu'on parle de résultats possibles, lorsque j'ai deux pièces de monnaie et je les lance, les seuls résultats possibles que je peux avoir, ce soit pile-pile, pile-face, face-pile ou face-face. Ici, on a une roulette et une flèche. Disons que je fais une expérience où est-ce que je fais un premier coup de la flèche. Mes possibilités de réponse ici, c'est la flèche peut soit atterrir sur bleu, rouge et vert. Et dire que ça peut arrêter sur la ligne noire, ça là, ça compte pas. C'est pas une possibilité. C'est soit bleu, rouge ou vert. Disons que je fais je donne un deuxième coup à la flèche. Mes autres possibilités de réponse peuvent être bleu, rouge ou vert. Alors, si je fais mon diagramme en arbre, mon premier coup, si c'est bleu, bien, mon deuxième coup peut soit être bleu. Je peux avoir rouge ou vert. Mon premier coup est rouge, je peux avoir bleu, rouge, vert. Et ici, si mon premier coup est vert, mes possibilités de réponse sont bleu, rouge et vert. Alors, mes résultats possibles pour ceci sont bleu, 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 rouge, bleu, vert, rouge, bleu, rouge, 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 vert, vert, bleu, vert, rouge, vert, vert. Alors, ceci, ce sont tous mes résultats possibles. Et ceci, cette partie ici représente mon diagramme en arbre. Vous voyez, c'est comme une branche, puis là, je fais une branche, puis je fais une autre branche avec des feuilles dessus, disons, là, ça peut ressembler à ça. Et ma troisième colonne, ce sont les résultats possibles. Des questions possibles. Ceci, c'est une mini-version de le diagramme en arbre qu'on vient d'avoir. Des questions que vous pourriez avoir lorsque vous faites des diagrammes en arbre sont les suivantes. Ils peuvent vous demander combien de résultats possibles. Bon, mais mes résultats possibles ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 résultats possibles. Puis là, ils peuvent vous demander combien de résultats ont la même couleur. Mais si je regarde ici, j'ai bleu, bleu, c'est la même couleur, rouge, rouge et vert, vert.
Alors, je peux en avoir 3 sur 9. Et ça, si je le mets, je vais le simplifier, ça fait 1 tiers. Puis 1 divisé par 3, ça me donne 0,333. C'est périodique. Alors, si je mets sous forme de pourcentage, j'ai 33, environ 33% des résultats ont la même couleur. Une autre question, combien de résultats ont des couleurs différentes? Si j'en ai 9 en tout, j'en ai 3 qui ont la même couleur. Alors, il m'en reste 6. Alors, 6 sur 9 ont des couleurs différentes. Je peux simplifier ça. Ça me donne 2 tiers. Et lorsque je divise 2 divisé dans 3, ça me donne 0,6666. Alors, 0,6 périodique. Si je multiplie par 100, je vais mettre ça sous forme de pourcentage, ça me donne 66,666%. Alors, je vais l'arrondir et ça va me donner ici environ 67%. Expérience expérimentale, disons que vous avez des questions où est-ce qu'il parle des expériences expérimentales, c'est lorsqu'on fait l'expérience nous-mêmes. Exemple, si on avait une roulette et on fait tourner la flèche 100 fois et on écrirait chacun de nos résultats, ça serait une expérience expérimentale. Alors, c'est tout. On se voit demain.